I was living in France, that's where I'm from. I'm sorry, it's hard for me sometimes to speak in English. Comment dire, I wanted to be always, from when I was little, I wanted to be a video girl. I wanted to know Jay-Z. I wanted to be with the ballers, the shot caller. And so I was told you get the workout plan from Kanye. Now it's not something you can get in Paris. You have to get on the underground. This is the best at what he does. What do you do? Do you produce? Yeah, I produce. I'd say you're the best at it. Who you produce lately? Randy, Alicia Keys, myself. Yeah, you own your whole album produced and rapped on it? Mm-hmm. That's pretty good. Don't you have a jewelry line? Mm-hmm. That's pretty good. You got a clothing line coming out in the spring? Mm-hmm. Yeah, sir. That's pretty good. Did you write your own videos? Yeah, director too. Wow, that's really, do you write records? I mean, write music and songs and things? Yeah, a little R&B, yep. College Dropout is coming out early January. Please go support that. Yo, two words, Chi-Town, Southside, worldwide, cause I rep that till I fucking die. One neck, two chains, one waist, two deaths, one wall, 20 plaques, Stewie Fane, give me that. I am Limelight, blueprint, five mics, go get his rhyme like, should've been signed twice. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine. Et Hugo. Et aujourd'hui, on peut le dire, nouvelle écoute classique. Qui n'était pas réellement prévu, mais qu'on a décidé de faire par rapport au contexte actuel concernant Kanye West, du coup, qui a dévoilé Donda 2 en direct, aussi sur son player. Voilà, Stem Player. Voilà, et le documentaire, du coup, qui retrace donc les débuts de carrière de Kanye. Exact. Donc, avant de sortir College Dropout. En fait, ce qui se passe, c'est que ça commence à être filmé au moment où Kanye drop des prods pour Blueprint de Jay-Z, sorti en 2001. Du coup, t'as un mec qui s'appelle Cody qui va tout lâcher pour filmer Kanye West parce qu'il sent qu'il assiste à quelqu'un de légendaire, une ascension légendaire. Et en fait, on voit tout le struggle de Kanye West pour trouver un deal, déjà d'artiste. Avant de sortir un album derrière, donc il y a vraiment beaucoup d'étapes et beaucoup d'embûches qui vont se confronter à Kanye West et du coup voilà, c'est très bien réalisé. Je crois que c'est un des plus beaux documentaires que j'ai pu voir sur Netflix et Dieu sait que j'en ai vu. Mais là voilà, vu que c'est Kanye, ça traite d'une époque où j'étais à fond dedans. Donc du coup l'affect aussi joue un peu et on est vraiment en immersion. C'est-à-dire qu'on a vraiment des footage de malades mentaux. Vraiment on le voit rapper devant Jay-Z, devant Pharrell, devant Ludacris, devant Jamie Foxx. Donc on le suit vraiment dans cette quête de signature pour un deal. Parce qu'au début effectivement on voulait l'avoir qu'en beatmaker. Voilà. Dame Dash ne le veut qu'en beatmaker, donne-moi des prods, moi j'ai recafé là, machin, donne-moi juste des prods. Mais je suis un rappeur, je m'en fous, donne-moi des prods. Voilà. Il faut dire qu'à l'époque, le roster de Rocafella était très fourni en rappeur. C'était immense, hein. T'avais Freeway, t'avais Benny Siegel, t'avais Memphis Bleek, t'avais les Young Guns, t'avais Jay-Z, Cameron. Ouais, donc c'est vrai se dire rajouter un autre mec qui... Et surtout un mec qui n'est pas street. Ouais, c'est vrai qu'il sortait de l'ADN de Rocafella. Bah en fait, ce qu'il prenait chez Rocafella, c'était le drug dealing, les histoires de rue, la violence. Mmh. Donc bon, même si c'était un petit peu popisé par moment, ça restait toujours des mecs street en fait. Et un mec comme Kanye West, c'est un mec régulard, un régulard guy que tu pouvais croiser dans la rue, voilà, il a fait... Chipmunk rap. Il a fait des écoles d'art, c'est pas un mec qui est vraiment dans des histoires de rue, donc qu'est-ce qu'il va raconter dans les morceaux? C'est pour ça qu'il prêtait pas attention à ce qu'il disait en fait, et à ce qu'il rappait, parce qu'on le voit dans le documentaire, il va se déplacer
au siège de Rockefeller, au headquarters. Il va commencer à rapper ses sons devant des, devant des secrétaires et tout. Ils sont là, genre. Je m'en fous, tu vois. Ça, c'est pas leur. Ok. Hein. Et puis voilà, et de fil en aiguille. Il y a l'ascension et franchement magique, magique documentaire. Mais c'est ouf parce qu'on passe quand même de Blueprint qui sort en 2001 à College Dropout qui sort en 2004. Donc ça veut dire il y a quand même... T'as trois ans, ouais. T'as trois longues années où va y avoir énormément de rebondissements. Il y a aussi voilà, le fameux accident qu'il a eu et qui va le... Enfin, qui aurait dû le freiner, mais au final ça va le propulser. Mm. Parce que derrière il sort un morceau iconique et on en parlera... Bon, écoute. College Dropout, du coup, premier album de Kanye. Mais du coup, est-ce que t'as des souvenirs de l'époque où College Dropout sort? Alors bon, peut-être pas le jour où ça sortit ou la semaine, mais cette période 2004, est-ce que tu te souviens de voir les écoute, clips à la télé? Franchement, College Dropout, ça va être très simple. C'était, c'est sorti le 10 février 2004. Mm-hmm. 2004, j'étais au collège. On s'était rencontrés. Ouais. J'étais dans ma fan mania de d'Eminem. Voilà, chez Lee Records, Aftermath, j'étais à fond dessus. Et je parlais avec un mec dans le collège qui me dit, ouais, gros, tu sais, il y a un mec qui s'appelle Kanye West, ouais, qui vient de sortir un album, s'appelle College Dropout. Est-ce que tu le veux? Ah. Je me familiarise avec sa musique à ce moment-là. En gros, voilà, je cope l'album, je l'écoute sur ma chaîne Ifi et je découvre un tout nouvel artiste, en fait. Parce que... Ok, la télé, bon, moi j'avais pas tout le câble, etc. M6 Music, parfois ça mettait un peu Jesus Walks, mais en très vite fait. Et Falls Down aussi. Et en Falls Down, mais plus Jesus Walks. Moi vraiment, je me souviens vraiment plus de ça, de cette rotation là. Mais ensuite, mais après, que dalle. Et je pense que c'est par rapport aussi à la presse, donc au magazine que j'achetais, qui était en import, XXL et The Source. Putain, ils le mettaient un peu en avant et tout. Et du coup, ça a connecté. Et moi, j'ai cette vision de Kanye avec voilà, le polo Ralph Lauren, la chaîne Rockefeller. Je me dis, putain, il est stylé ce mec. Ouais. Tu vois, parce que bon, je connaissais pas vraiment grand chose d'opéra. J'avais pas une oreille aguerrie comme maintenant. Donc, rien, la manière de ce qu'il dégageait, ça me donnait envie d'écouter. Tu vois, la cover, l'image, quand même stylée, tu vois. Bah oui, de ouf. Bah ouf. Oui, surtout quand t'es jeune. En vrai, on était au collège, on avait ouais, 13-14 ans. Ça. Bah après, il utilisera ce terme-là pour son label, mais c'était de la good music en vrai, tu vois. Ça, la good music. T'étais là, moi je me souviens. Je me souviens que All Falls Down, par exemple, c'est un des morceaux que. Parce que tu vois, quand. À l'époque, moi j'avais pas internet, du coup tu pouvais pas regarder les clips que tu voulais au moment où tu voulais. Donc t'étais devant les émissions et les chaînes de télévision et de musique. Et du coup, t'avais le câble, toi. Ouais, j'avais la parabole. Ouais, voilà, les paraboles. Exactement. Et du coup, j'avais des, il y avait quelques chaînes qui passaient du coup des clips 24 heures sur 24. Et du coup, en fait, je me souviens à cette époque-là, t'avais des moments où t'attendais, t'étais en sang sur 2-3 sons et tu regardais genre toute l'après-midi, toute la soirée, jusqu'à ce qu'il y ait le morceau qui passe. Et All Falls Down en faisait partie. All Falls Down, c'était un morceau, je me souviens, mais quand je l'ai écouté la première fois, c'est un hit, mais c'est direct. Ouais. Genre, dès le début, tu vois, genre le sample, enfin la manière dont la meuf elle chante, ouais. La simplicité de l'instru, les mélodies, parce qu'on va en parler, mais dans cet album, les mélodies elles sont tellement efficaces, c'est dingue. Et c'est de la musique très facile d'écoute. Oui. Tu vois, très 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 facile d'écoute. Après, il y a eu Slow Jams, et là, il passait dans toutes les booms. Ça y est. Toutes les booms, il y avait Slow Jams qui sortait. Et puis, ouais, après collège. Après, moi, j'ai jamais. À ce moment-là, j'étais pas encore deep dans Kanye. En vrai, niveau Rockefeller, j'étais plus sur Memphis Bleek. Après, plus tard, je l'ai téléchargé. Et ouais, après, tu l'écoutes, et c'est un bol d'air frais en vrai, tu vois. En vrai, College Dropout, c'est trop un bol d'air frais dans ce que t'as l'habitude d'écouter à cette époque-là, tu vois. Beaucoup plus cool, le soulful, beaucoup de chants, beaucoup de chœurs, de back vocal, même des chants d'enfants. C'est wow, tu vois, et c'est un putain de bol d'air frais, et c'est ce qui fait, à mon avis,
sa place dans les classiques, tu vois. Ouais, donc oui, on peut le considérer comme... Ah bah bien sûr, classique. C'est un classique et c'est l'album de Kanye West sur lequel je retourne le plus. Et ah, c'est un des albums rap sur lequel je retourne le plus. Oh damn, je savais pas même ça. S'il y a beaucoup de... J'avoue, c'est pas un no-skip pour moi. Oui, il y a quelques... Mais dedans, gros, il y a des morceaux légendaires. Ouais, ouf. Genre, il y a des morceaux, ils n'ont pas pris une ride et il y a des morceaux, j'ai encore des frissons quand je les écoute, tu vois. Donc, Kanye à la prod. Pas mal de... Entièrement à la prod. Voilà. Pas mal de featuring également. Ouais. Donc, on a 21 sons. Ouais, pas mal de skits. C'est un album où t'as beaucoup d'ambiance, t'as beaucoup de gens qui parlent, t'as beaucoup de discours, etc. Parce qu'il y a un message. C'est ça. En vrai. Donc, les featuring, on a. Alors, donc, Syleena Johnson, GLC, Consequence, Jay-Z, J.I.V, Talib Kweli, Common, Twista, Jamie Foxx, Ludacris, Mos Def, Freeway. Voilà. Donc, c'est quand même un beau casting, hein. Ah oui. En vrai, c'est quand même un beau casting. Bon, très Rocafella, avec quelques externes. Ouais. Mais. Beaucoup de samples. Énormément. Beaucoup de samples. On en parlera, mais c'est. Bah, c'est un peu aussi. Le style que Kanye prônait dans ses productions, surtout au tout début, c'était très soulful avec des samples high pitchés. Donc, il samplait des morceaux d'Aretha Franklin, par exemple, de Marvin Gaye, et j'en passe. Donc, c'est faire revivre ses anciens disques. Tellement indémodable. Mais donner une fraîcheur en fait à ses morceaux, de par sa technique de prod. Et franchement, c'est exceptionnel. Et du coup, juste, donc effectivement, tout est produit par lui, sauf deux morceaux. Last Call, qui est produit par Evidence. De Dilated People. Exactement. Et Breathe In, Breathe Out, coproduit avec Brian Miller. Voilà, mais sinon, Kanye s'occupe de tout, il rappe. Et il rappe avec des mecs chauds en plus, hein. Ouais. Bah, quand t'as Jay-Z sur ton album. Bah ouais, hein, mec, un morceau avec Mos Def, Freeway, Common et Talib Kweli. Ouais, ça, Common et Talib Kweli et tout, c'est... Ouais. Ce qui se passe, c'est que pour Kanye West, au moment où ça commence à passer en mode rappeur, on l'entend sur la BO de Paid in Full, où Dame Dash va lui faire confiance et dit vas-y, pose sur le morceau Champion, où il y a Cameron, il y a Young Chris, il y a un casting Rocafella. Ouais. Et en fait, Kanye va poser son premier verse dessus. Et il atterrit aussi sur, en parallèle, l'album de Jay-Z, The Bounce, sur l'album Blueprint 2. Ouais. Produit par Timbaland, le morceau. Et c'est la première fois qu'on entend Kanye sur un album de Jay-Z, en vrai. C'est vrai. Vocalement, ouais. Et là, c'est beau parce que Jay-Z lui donne un verse sur Never Let Me Down. Ah ouf, d'ailleurs. Et quel verse. Oui. Du coup, pour rapidement reprendre au niveau de la chronologie, au niveau de la production, ouais, au niveau de ce qu'il produit, ouais, donc effectivement, dans les années 2000, voire 2000, bah quand même The Truth de Benny Siegel. Ouais. Ça, c'est l'intro de l'album The Truth. Et c'est dingue, incroyable. Parce que c'est très street en vrai le morceau. Hein. Mec. Tain. 50 Cent, t'as posé sur la preuve. Ouais, voilà. En 2001, du coup, ISO. Voilà, bah c'est le boom. Voilà. C'est le boom dans sa carrière. Donc ça, c'est les singles, hein. Guess Who's Back de Scarface. O3 Bonnie and Clyde de Jay-Z. Ouais. Get By de Talib Kweli. Stand Up de Ludacris. You Don't Know My Name, Alicia Keys en 2003. Tu vois, même Jay-Z en 2003. Il a le single de Janet Jackson aussi. I Want You en 2004. Il a le single de Brandy aussi. Talk About Our Love. C'est ouf. Baby, don't say something that you will regret. Bah oui, Overnight Celebrity de Twista.
Oh, le mec il place de dingue. Et après bah il va placer de encore plus ouais, à partir de College Dropout et puis bon après de, bon on verra. Après son name va tourner mais ouais, on va dire que le tournant c'est Edge de Izzo tu vois. Là ouais, vas-y ça y est, il a le main stage, puis il a d'autres morceaux sur Blueprint, il a Never Change. Pouah, là ce son. Never change. Je crois qu'il a Heart of the City aussi. On y va? Allez, une petite chose. Let's go. Pourquoi The College Dropout? En fait, Kanye, il a fait deux écoles d'art et les deux, il les a abandonnées pour la musique. Et c'est des écoles d'art qu'il faisait dans le dessin ou c'était de tout? C'est très général. Ok, d'accord. Donc, c'est pour ça aussi qu'il a cette touche fashion directement, quoi. Et pour ça que ses covers ont toujours un style. Et que visuellement, il s'occupait toujours de la réal, pas de la réal, mais il donnait beaucoup d'idées pour ses clips, etc. Ouais, la DA. Donc c'est parti pour l'écoute de The College Dropout. Kanye, can I talk to you for a minute? Me and the other faculty members was wondering, could you do for the kids from graduation to sing? Au niveau des paroles, le mec il lui dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour les enfants? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour que les enfants s'enjaillent, etc. Et donc dès le début, le mec t'explique que ouais, j'ai Rocafella, mais ça va pas être gang, tu vois. Moi je veux toucher le large public. Ouais, tu vois, et surtout les enfants. C'est ça qui est beau aussi de sa part, tu vois. Let's go. Oh yeah, I got the perfect song for the kids to sing. And all my people that's drug dealing just to get by. Stack your money till it gets sky high. Joke's on you, we still alive. Throw your hands up in the sky and say, we don't care what people say. Man, I'm my own man. But as a shorty, I looked up to the dope man. Only a dope man, I knew that wasn't dope, man. We don't care what people say. This is for my niggas outside all winning. Cause this summer they ain't finna say next summer I'm finna. Drug dealing just to get by. Stack your money till it gets sky high. 25, jokes on you, it's still alive. Nine to five, I still hustle cause a nigga can't shine on 655. And we take that money, cop work, then push packs to get paid. And we don't care what people say. Mama says she wanna move south. And we don't care what people say. My nigga try dealing just to get by. Stack your money till it gets sky. The kids gon' act a fool when you stop the programs for after school. And they GCFS, some of them dyslexic. They favorite 50 Cent song, 12 questions. We scream by stars, we pump. Try to get by. On a quand même des personnes assez intéressantes en back vocal. Keisha Cole, John Legend et Ricarda Watkins. C'est les enfants, c'était Diamond Alabi Isama, Terence Hardy, James JT Knight sur un sample de I Just Wanna. Et du coup, au niveau des violons, Miri Ben Harry. Alors on rentre directement dans la couleur de la musique de Kanye West. Hein. Là... Bah oui, c'est soulful, c'est plutôt chaleureux. On a des ambiances, on a pas mal d'instruments en fait. C'est-à-dire que c'est assez riche musicalement. Il y a du live instrument, donc c'est rafraîchissant tout de suite à l'oreille. Et puis on a ces vocales high pitchées, voilà, qui gardent le côté renaissance de morceaux soulful. Et puis on a un kickage quand même de Kanye, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il prend ses fondamentaux rap et il va essayer d'en faire quelque chose le plus mélodieux possible,
avec tous ces éléments de prod et ces procédés musicaux. Donc c'est vrai que là on est sur un morceau où il s'adresse à la jeunesse. Tu vois, il dit ouais, vous pensiez qu'on n'allait pas passer les 25 ans. Vous avez eu tort, on est là. Ne faites pas ce que la société vous dit de faire, faites vos choses. Parce que voilà, il y a aussi le fait que Chicago, voilà, c'est une ville qui a été touchée énormément par tout ce qui a été la délinquance. La criminalité. D'ailleurs, il y a cette vidéo classique où il intervient, je sais pas, un séminaire ou une rencontre à Chicago et que t'as un jeune qui prend la parole. Ouais. Et Kanye, il est on stage, donc c'est le moment des questions. Et le jeune lui dit ouais et tout, j'ai tel pote qui est parti, j'ai tellement peur chez moi, on a peur de se prendre des balles. Et le mec il commence à pleurer, il lui dit ouais, je sais que tu peux rien faire, mais est-ce que t'as pas des mots pour nous aider et tout. Et Kanye il est là et il dit ouais, genre I'm speechless, je sais pas quoi dire à ça, tu vois. Parce que ouais, et du coup il va beaucoup représenter la ville de Chicago et essayer de donner par sa musique un peu d'espoir et de luminosité. Bah en vrai, à part Common, il n'y a pas d'autres rappeurs à ce moment-là de Chicago. Ouais, parce qu'après du coup il y aura Twista. Oui, mais on va dire que Common ça a été vraiment le premier quoi. Et ouais, oui, après, bah voilà, tu l'as dit, hein, les hooks sont faciles parce que... Mais il a des armes en fait, c'est un architecte, donc lui il sait comment élever un morceau. Oui, et il fait dans la simplicité, il fait beaucoup dans la simplicité. En fait, t'as l'impression que c'est bordélique alors que ça ne l'est pas du tout. Non, pas du tout. Mais même tu vois quand il ramène les enfants, les chœurs et tout, tu sens que c'est fait de manière naturelle. Du coup, c'est de l'écoute tellement facile et ça rentre facilement en tête, tu vois, avec les mélodies. D'ailleurs, le morceau commence, il fait de la mélodie, il rappe pas, tu vois. Il y a aussi une chose dont je me rappelle à l'époque. Du coup quand il y avait ces singles et tout qui sortaient, c'était que bah du coup on était en quatrième, troisième, et en fait Kanye je trouve que c'est un rappeur qui peut t'aider à améliorer ton écoute en anglais. Parce qu'en vrai il n'utilise pas des tournures de phrases compliquées, il n'utilise pas en vrai quand t'es en troisième et même ou bien à la limite quand t'es au lycée. Tu peux comprendre ses paroles, tu peux comprendre une bonne partie de ses paroles, il articule bien, il rappe pas vite, il prend des pauses et il utilise des mots pas très compliqués. Genre c'est pas du cypher ce qu'il fait, tu vois. Genre c'est pas... tu vas pas apprendre à parler anglais par exemple au tout début avec un mec comme Jay-Z. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont des mots de la rue. Kanye il utilise des mots utilisés de manière générale. Et c'est aussi la portée de sa musique, d'avoir cet aspect global compris par tout le monde, tu vois. D'où le fait de dire que c'est un artiste, un regular guy, en fait, qui va parler comme un mec lambda. Exactement. Et pas utiliser le slang de la rue, des choses qui sont pas compréhensibles pour un autre public. Exactement, ouais. Donc, deux aussi, par son écriture, il est très accessible. Clairement. Effectivement. Passe au prochain morceau. Graduation Day. Qui est du coup une interlude aussi. Fuck with that, Kanye. I told you to do some shit for the kids. You give me the motherfucking graduating tickets right now. You give me the motherfucking stage, Kanye. Who told you to? I told you to do some uplifting. Oh. C'est de la top box là. Southside, we gon' set this party alright. West side, we gon' set the party alright. Man, I promise. Tell me that ain't insecure. The concept of school seems so secure. Sophomore 3 years, ain't picked a career. She like, fuck it, I'll just stay down her and do it. Cause that's enough money to buy her a few. Single black female addicted to retail as well. When it falls down, who you gonna call now? Come on. And when it all falls down, promise. I'm so self-conscious. That's why you always see me with at least one of my watches.
just to be like, nigga, you ain't up on this. And I can't even go to the grocery store without some ones that's clean and a shirt with a team. I went to Jacob with 25 now before I had a house, and I do it again, cause I wanna be on 106 and Park, pushing a bag. West side, we gon' set this party alright. Featuring avec Syleena Johnson, donc c'était c'est le troisième single de l'album qui montera jusqu'au septième du Billboard quand même. Mm-hmm. Donc là on commence à toucher des tops et qui sera nommé dans meilleur son de l'année au Grammy Awards. D'ailleurs, College Dropout aura 10 nominations pour le Grammy. C'est énorme. Pour un premier album, putain. Bah oui, non mais clairement. Morceau, single de dingue, tellement efficace, qui touche en plus un large public. En vrai, tu vois, t'as pas besoin d'être fan de rap pour kiffer ce morceau-là. Ouais. C'est, y a un côté pop en vrai. Dans ouais, le morceau, ouais, tu vois. Popisé, ouais. C'est popisé, mais ça garde quand même des codes hip-hop. Kanye West rap. Il rappe même par-dessus la meuf qui continue à chanter son refrain. Mm. Et tu vois, on parlait de quand Swimming Pool est sorti, le fait que Kendrick avait fait un single dans Jaille, mais quand même avec un gros message à l'intérieur. Bah, c'est un peu ce que fait All Falls Down. Tu vois, Kanye West le fait déjà 8 ans avant. Tu vois, parce que All Falls Down, bah, c'est un questionnement. Sur la relation que Kanye peut avoir avec le matériel, pourquoi est-ce que on veut avoir autant de belles choses, quitte à se mettre dans la merde, quitte à suivre la société. Tu vois, à un moment il dit genre, je sais plus, il a acheté quoi parce que il devait faire l'émission 106 and Park, qui était sur MTV. Et il disait, je voulais pas, je crois que je voulais avoir une Benz pour 106 and Park, parce que c'est l'image, parce que c'est ce que tu dois montrer, ce que la société te pousse à être, tu vois. Donc toute cette pression aussi, et donc dont il parle aussi dans le premier couplet par rapport à la meuf qui est à la fac, mais qui sait même pas pourquoi elle y va. Mais bon, elle veut pas décevoir ses parents. Ouais. Donc le lien avec le fait que, on te mette dans des cases. On te trace un peu ta destinée alors que c'était peut-être pas ce que toi t'avais envie. Et en plus, le premier couplet, deuxième couplet sont exactement construits de la même manière, sauf qu'ils parlent de la meuf en premier couplet et de lui exactement, en deuxième couplet. Couplet. Donc il y a aussi quand même des constructions de morceaux au niveau lyrical. Tout à fait. Donc oui, c'est avec, un rapport. Avec un certain concept et du storytelling. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que en fait, on avait rarement entendu un rappeur... parler de ses insécurités en musique, en fait. Parce que c'est, on a toujours, surtout à l'époque, c'était le rappeur, il fallait qu'il soit impassible, froid, violent. Et là, quand t'as un mec comme ça qui déclare un peu ses insécurités, ses doutes, et ben en fait, tu vois un artiste vulnérable. Et ben, du coup, tu te dis, putain, ça change. Ouais. Et après, ben, ce truc-là va être expédié sur une autre échelle, par exemple quand t'as un Drake qui va arriver, tu vois, mais je trouve que Kanye, il apporte vraiment ce truc-là, genre moi je suis un rappeur, mais en fait je vais rapper d'autres choses de ce que vous avez l'habitude d'entendre avec les autres rappeurs, en fait. Parce que je vais parler de mes émotions, de ce que je peux ressentir, de ma frustration, énormément sa frustration, il va en parler sur cet album, et c'est cool, parce que, il fait partie de ces rappeurs qui décomplexent, en fait. C'est ça, il décomplexe et il est encore plus accessible. Bien sûr. Par rapport à ce son, en fait, il l'avait teasé sur Def Poetry Jam, qui est une émission sur MTV. Et en gros, tu avais des artistes qui donnaient a cappella des poèmes. Ok. Sauf que lui, il avait repris du coup un couplet de All Falls Down. On connaissait pas à l'époque, et en fait il avait marqué le coup déjà,
parce que c'était une de ses premières apparitions en télévision. Mm-hmm. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo sur YouTube, hein. Elle est là, elle dure 10 minutes. Et en gros, c'est cool parce qu'il le délivre comme un poème en fait. I'm so self-conscious. That's why you always see me with at least one of my watches. Rollies and Posh's then drove me crazy. I can't even pronounce nothing. Pass that for Stacey. Then I spent $400 on this. Just to be like, nigga, you ain't up on this. Prochain morceau, I'll Fly Away. Bad morning. Me again, I will be assaulting him. Yeah, I stole, never got caught. They take me to the back and pat me, asking me about some khakis. Blunt in the mall, taking my hits, writing my rhymes, playing my mind. This fucking job can't help him, so I quit. Y'all welcome. I deserve to do these numbers. The kid that made that deserves that, made back. So many records in my basement. I'm just waiting on my spaceship. I've been black. Working this spaceship, and I ain't made shit. Buy me a spaceship and fly. Man. Same time, thirsty on the ground, shot state of mind. Lost my mama, lost my mind. Where I wanna go, where I wanna be. Life is much more than running in the streets. Holler, hey, yay, hit me with the beat. Get me on my feet, sound so sweet. Yes, I'm same OG, same OT, same OG, no wrong. Then we're easy come, easy go, how that saying goes. No more broad service calls and no TV shows. If the friend is staring back at me, cause nothing's there, nothing's fair. I don't wanna ever go back there, so I won't be taking no days off till my spaceship takes off. Working a spaceship and I ain't made shit. I wish I could buy me a spaceship. Oh shit! Spaceship avec GLC et Consequence. Du coup, Consequence qui. Donc, le cousin de Q-Tip, qui l'a, oui. L'a bossé avec Trap Call Quest, signé après par Kanye. Ce morceau, ouais, c'est un des morceaux pour moi qui ressort le plus de l'album, de par l'interprétation de Kanye West, la qualité de son refrain aussi, tellement... tu vois, pourtant, le refrain, il est très très calme, mais il dégage tellement de puissance dans les mots qu'il utilise. Voilà, il veut sortir du struggle. Et puis même ce délire de spaceship, fly away, vas-y, tu vois, c'est la merde. Ouais. T'as juste envie de t'échapper de tous les problèmes, t'as juste envie de bouger. Ça, c'est... Tu vois, tout le monde ressent ce genre de choses à différents moments de sa vie. Tout le monde peut s'identifier en fait à ça, tu vois. Et même quand il commence en disant ouais, et tout, si mon manager me fait encore chier, vas-y, je vais lui casser la gueule. Tu vois, genre pour ceux qui travaillent dans des boulots de merde et tout. C'est vrai. Donc c'est universel. De ouf, très identifiable. Et du coup, je pensais pendant le. Parce que je me disais encore, putain, mais quel refrain de dingue. Mais c'est vrai que c'est Kanye qui fait une grosse partie du refrain de Never Change. Oui. De Blueprint. Oui. C'est vrai. Ah, c'était Hustle, tu vois. Ouais. Il est efficace sur le refrain de Never Change. Mais pour moi, il est sous-coté en tant que hookmaker, bien sûr, Kanye. Ouais. On lui donne pas assez ses fleurs sur le hook. Et en plus, hook. Il écrit des hooks pour des autres. Tu vois, ouais. On en parlera, mais le hook de Slow Jam, c'est Jamie Foxx, mais ouais. C'est Kanye. Et alors, enfin voilà, Jamie Foxx voulait le changer, mais Kanye a dit non, tu vas le chanter de cette manière-là, tu vois. Ouais, c'est un visionnaire.
Le morceau à la base il était pour JLC et c'est Plain Pat, son manager, donc qui a convaincu Kanye. Franchement, pour moi c'est une masterclass ce morceau, c'est un de mes sons préférés de Kanye West, toute discographie, de toute sa discographie. Je trouve qu'il y a tout, t'as le sample là de Marvin Gaye, incroyable, en boucle. En fait, ça donne la loupe et je sais pas, comme t'as dit, il y a une idée d'évasion, même t'as l'impression la prod elle s'envole à un moment donné, la voix Kanye elle est calée parfaitement sur la prod, je sais pas, je trouve qu'il est toujours en lévitation par rapport à la prod sur le refrain, très très fort. Consequence, c'est très très chaud sur le morceau, je crois que c'est... mon passage préféré quand il rappe, c'est trop lourd. Et ouais, après, à ce moment-là, tu vois, dans l'écoute de l'album, tu te dis, putain, il a tellement d'armes. Parce que ça peut être un single en vrai, tu vois. D'ailleurs, il a sorti la vidéo pour le son là, récemment, en 2020. Okay. Et il a rendu disponible la vidéo, du coup vous pouvez aller voir aussi, vous pouvez checker. Et d'ailleurs, ouais, sur le morceau, bah, je parlais de frustration, il parle énormément de frustration, le fait d'être rejeté pour avoir des deals, voilà, et qu'il a ses démos et que les gens l'écoutent pas. Qui était ghostwriter aussi. Qui est ghostwriter. Qui n'a pas la reconnaissance. Qui n'a pas la reconnaissance qu'il veut. Non, franchement. Allez, c'est parti. L'eau et le coup de manque. Ah, voilà. God, show me the way because the devil's trying to break me down. The Midwest is young and restless. Might snatch your necklace and XD. Might check your Lexus. Who Kanye West is? I walk through the valley of the shower, death is. Top floor, if you alone, I leave you breathless. Try to catch it. Full of coke, rental car from Avis. My mama used to say only Jesus could save us. Well, mama, I know I act a fool, but I'll be gone to November. I got facts to move. I hope. Killers, murderers, drug killers, even a scribble. So here go my single dog, radio needs this. They said you can rap about anything except for Jesus. That means guns, sex, lies, videotape. But if I talk about God, my record won't get played. God, show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. Whoa. Okay. Donc, gros single qui avait... Oh là, c'était un hit. Ouais, c'était un hit, mais... controversé. Ah bah oui. De par le clip où bon voilà, il y a le symbolisme de Jésus, la croix. Je pense moins que ça aurait choqué aujourd'hui parce qu'aujourd'hui tu peux vraiment plus rien faire du tout. Mais bon, à l'époque quand même si voilà, il y avait moins de pleureuses qu'aujourd'hui, c'était pas habituel de voir ça. On n'avait pas l'habitude d'avoir un rappeur qui sort en single avec un clip, un son dans l'imagerie autant biblique. Et effectivement, ça a fait son buzz, de toute manière. Ça, aussi, ça fait partie un peu de la légende, en fait, de College Dropout, hein, ce single et ce clip. Et du coup, voilà, un gros morceau aussi. Alors, c'est vrai que moi, de toute façon, c'est un des morceaux les plus iconiques de la carrière de Kanye. Ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est pas un morceau... qui me transcende. Ouais, qui me touche autant que la place qu'il a dans la discographie de Kanye, tu vois. Je vois. Mais
Après, je reconnais évidemment après, son efficacité. Ouais, et même la créativité. Bien sûr. Parce que faire un banger avec des chœurs de gospel, c'est incroyable. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis même le bruit de la marche. Ouais. Tain. Et t'as cette cornemuse là qui vient. Par-ci, par-là, ouais. Par contre, la fin en apothéose est bon. C'est fou. C'est extrêmement fou. Et du coup, il existe trois versions de ce morceau, trois versions vidéo. Donc, il y en a une par Hype Williams, donc grand réalisateur de clips. À un moment donné, hein, dans ta carrière, t'es obligé de te faire clipper par Hype Williams. Et lui, Kanye, premier album, ça y est, il a déjà Hype Williams, mais qui avait trop de plugs. Et il y en a une par Cody, du coup, le mec qui le suit là pendant pour le documentaire. God show me the way because the devil's trying to break me down. Et il y en a une autre aussi, donc ça fait trois clips pour un seul morceau. C'est, j'en vois que voilà, en termes de créativité, de changement et tout, Kanye, il a déjà des visions, des idées pour ses morceaux. Ouais. Pour les présenter au public, qui sont assez folles, quoi. Et d'ailleurs, il y a pas mal, enfin le thème, tu vois, quand il dit ouais, ma mère m'a dit il y a que Jésus qui peut nous sauver, mais bon là je vais partir jusqu'à novembre, j'ai des affaires et tout. Il reprendra un peu ça dans dans Can't Tell Me Nothing sur Graduation. Tu vois, le fait ouais, il faut que j'aille parler à Dieu, mais vas-y, là j'ai des trucs sales à faire, etc. Et du coup, c'est vrai que, la spiritualité dans la musique, la religion même dans la musique de Kanye, elle est ancrée. Elle a toujours été présente, hein. On n'a pas attendu Jesus is King. Ah, voilà, bon, là, ça a pris une autre tournure avec ce qu'il fait maintenant et tout le reste. Mais je trouvais qu'à cette époque-là, c'était sain, en fait. Beaucoup moins que maintenant. Que je trouve trop forcé. Même, voilà, tu vois, j'ai vu pas mal d'extraits pour Donda 2, là, le live. Mec, pour moi, ça n'a rien à voir avec Dieu, gros. C'est diabolique de fou, l'imagerie. Mec, l'imagerie est totalement satanique. C'est quand t'as Playboy Carti qui débarque. Non, mais tu vois, donc je trouve qu'en fait, c'est un peu... là, c'est trop forcé le trait, c'est trop caricatural. Il joue de ça, c'est un fond commerce, maintenant. Ouais, voilà, alors qu'avant, tu sentais que c'était grave c'était spontané. Authentique, spontané, c'était vraiment le mec... Ouais, rappeur, mais quand même, Jésus et tout, les plaisirs de ce bas-monde, ma mère m'a quand même dit, tu vois, genre, c'était réel, tu vois. Là, je sais pas, il veut nous vendre quoi, mais frérot, non, tu vois, genre, ça fonctionne pas. Et en plus, ça fonctionne pas avec, parce qu'à l'époque, t'avais ce côté, il struggle, il vient de se faire connaître, donc bon, ça joue, vas-y, ok, il y a Dieu de mon côté, même si les hommes sont pas de mon côté et tout, là, mec, c'est bon, tu vois, genre... Je sais pas, il n'y a plus de narrative pour moi avec la religion dans la vie de Kanye West aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ok, prochain morceau, oh la vache. Lequel? Bah c'est Never Let Me Down. Oh shit. Ah oui. Oh la vache. Let's go. Et la transition là, mon dieu. Oh baby. Get up, I get up, I get, get up, I get up, I get up, I get up, I get up. First I snatched the streets, then I snatched the hearts. First I had their ears, now I got their heart. The rovers roll up with ribbons. I seen a repo, be sold and be driven. So when I reload, he holds number one positions. When you hot, I'm hot. Can't fuck with me, cause I'm gonna be that nigga for life. This is not an image. This is God given. This is living with crystal. I let your boy. Get up, I get, get up, I get, get up, I get up, I get down for my grandfather who took my mama, made us sit in that seat where white folks didn't want us to eat. Racism still alive, they just be concealing it. But I know they don't want me in the damn club. They even made me show ID to get inside the Sam's Club. As sad as that day, my girl father passed away. So I promised to Mr. Rainey, I'm gonna marry your daughter. And you know I gotta thank you for the way that she was brought up. And girls, one thing I found,
Casting out this, that's what my instrumental. Vibrations is what I'm into. Yeah, I need my Lubar Rende, but that ain't what gives me the heart of Kunta Kinte. I would never, ever let you down. And when a touch of God rains out, take him to church. Oh, shit. Take him to church. Get up, I get. 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 Down. Go, get back. Oh, you ain't finished. I like the Mike Jordan. Number one albums, what I got back for them. More them on the way, the eight wonder on the way. Archbishop, the Pope John Paul, and y'all niggas the way y'all are. Bob Jigga, Pope's a living legend, and I tell you why. Everybody wanna be Hope, but Hope's still alive. Ce morceau est parfait. Ce morceau, il est parfait du début jusqu'à la fin. Il est tellement riche, on passe par tellement d'émotions. L'instru, elle évolue constamment. C'est l'apothéose, c'est épique, c'est religieux, c'est motivant, c'est ambitieux. C'est rap, c'est kické, il y a de la punchline, des putains de mélodies. Gros, le morceau, il est parfait. Oh, c'est un de mes morceaux préférés ever. Ah oui, all time. C'est un de mes morceaux préférés de l'histoire. Et c'est un des morceaux pour lesquels je réécoute Collège Rap Out, tu vois. Parfois, c'est parce que je pense à ce morceau-là que je réécoute l'album, ouais. En vrai, tu vois. Il est tellement fort à ce point que tu rejoues l'album pour ça. Pour ça, bah ouais. Parfois, je ne pense pas à Collège Rap Out. Je pense à du coup, je vais réécouter Collège Rap Out. Et c'est dingue, c'est dingue. Puis, comme tu dis, le prêche au milieu. De mettre un poète. À ce moment-là du morceau, c'est du génie. Je veux dire, c'est là où on va gagner. La créativité, en fait. Ouais, ça y est, c'est trop. Parce que il le met pas à n'importe quel moment. Il le met pas à l'intro. Il le met pas à l'intro. Il le met pas en skit, il le met pas à l'outro. Non, il le met au milieu du morceau. Et t'entends les voix derrière. Putain, mais ce travail des voix sur cet album. Ouais, c'est dingue. C'est fou. C'est dingue. C'est fou. En fait, ça t'envoie une motivation, gros, une dose de motivation de fou. Il réussit tellement à bien les incorporer, t'as l'impression que c'est vraiment un tout indissociable. Ouais. T'as pas l'impression qu'à la base c'était différents éléments, ouais, qui ont ensuite été mis les uns sur les autres, etc. Non, t'as l'impression qu'il était là, il a appuyé sur des touches, et il y avait déjà tous les éléments en même temps. C'est tellement bien ficelé. En fait, tu vois pas le travail du beatmaker. C'est de l'orfèvrerie. Ouais. C'est de l'orfèvrerie, ouais. C'est chirurgical en vrai. À ce moment-là, tout va dans le bon sens. Jay-Z, il est exceptionnel dessus. Quand il revient après le poète, là, frère. Gros, quand il dit, ouais, moi, ma maison, c'est le top 10, vous venez en visiteur à chaque fois. C'est trop, gros. C'est trop de dire, tiens, vas-y, c'est n'importe quoi. Même quand il débarque. First, ouais, j'ai pris la rue. Et après j'ai pris vos cœurs. Après, j'ai pris les charts. Oui, j'ai pris les charts. Après, j'ai pris vos cœurs. Kendrick, il va reprendre un peu cette formule. Je suis pas là pour le Grammy, je suis là pour prendre le cœur des gens, etc. Ah, mais bon, c'est un son iconique. Moi, je me rappelle quand je l'avais écouté la première fois, j'ai dit, mais qu'est-ce que je viens d'entendre? Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est quoi ce bordel? Tu vois, je sens le génie là. Qui est passé dans mes oreilles. C'est un morceau complet. C'est... Et mec, et puis franchement, l'homogénéité, mais comment ça se fond trop bien avec le début d'album. Tu sais, les All Falls Down, Spaceship. Après, il y a quand même, tu vois, on commence à nuancer là avec Jesus Walk. Oui. On va vers un peu plus ténébreux, enfin un peu plus sombre en termes de sonorité. Tu vois, qui fait nuit tout d'un coup dans l'album. Ok. En vrai, tu vois. Un peu ténébreux. Ouais, et plus brutal aussi, tu sais, dans les percussions. C'est un peu plus hard. Ouais, c'est plus hard. C'est beaucoup plus hard qu'un Spaceship, qu'un All Falls Down et tout, tu vois. Mais ça a été amené. Enfin, l'album est construit de telle manière que c'est trop bien amené. Le séquencement, les transitions. Non. Classique. Classique. Ah oui. C'était prévu pour Blueprint 2 à la base. Hein. Putain. Ouais. Prévu pour Blueprint 2. Et puis bah heureusement qu'il a pas atterri sur Blueprint 2, ça aurait été un gâchis. Ouais, bah oui. Franchement, c'est un double album en plus, Blueprint 2. Ouais, il est trop long. Bah, qu'est-ce qu'il a pris sur le 2, il sort le 2.1.
ouais. Avec les meilleurs morceaux de. Ouais. Après, il est trop long, mais ça reste. Non, mais il y a des gros sons. Ça reste quand même. Bah, le son éponyme. Oh là là. Ouais, par exemple. I bought the flutes this time, though. Unleash the flutes on them, Goro. Irven Hippie Pope au Keys. Il était aussi sur un autre morceau, d'ailleurs, qui va beaucoup bosser avec Bishop Lamont et la oui. Team Aftermath par la suite. Ouais. Avec The Game. Il prod beaucoup pour The Game sur Doctor's Advocate. Et sur LAX aussi, encore, ouais. Il me semble. Background vocal, Tracy Spencer et John Legend. Encore. John Legend qui était du coup l'artiste de Kanye West. L'artiste de Kanye West, bien sûr. Qui va signer après chez Good Music. Ouais. Mais c'est son petit protégé à ce moment-là. Quoi. Et du coup, et d'ailleurs, tu vois, déjà, ses protégés ne sont pas que des rappeurs. Non, c'est des chanteurs, frère. Et du coup, voilà, ça sample Maybe It's the Power of Love de Black Jack. One thing I found, one thing I found, love. Prochain morceau, Get Em High. Là encore, c'est hard. Là encore, c'est hard. C'est vraiment plus rap encore que Spaceship et tout, tu vois. Ouais. Genre, là, tu te dis, oui, il peut y avoir Freeway qui débarque, il peut y avoir Memphis Bleek. Ouais, non, c'est vrai. Bah, il y a Talib Kweli sur le morceau. C'est un banger un peu le morceau. Ouais. Percussions sont dingues. Percussions très inspirées de. Oh, la transition. Shit! Trying to catch the beat. Oh, yo, motherfucking hand. Get on high. Boy, I'm saying prod the freestyle. All the girls passed away. It was great for the freestyle, yo. Get on high. Freshman year, I was going through hella problems till I bit up the nerve to drop my ass about a call. My teacher said I was a loser. I told her, why don't you kill me? I give a fuck if you feel me. I'm gonna follow my heart. And if you follow the charts or the plaques or the stacks, you ain't gotta guess who's back. You see, I'm so shy that you thought I was bashful. This bastard's flow will bash your skull. And I wish you think me and Dane cool. We assholes. That's why we hear your music getting fast forward. Cause we don't wanna hear that weak shit no more. You motherfucking head. Who the hell is this? Emailing me at 11:26. Right now she just lamping, chilling on campus. Sent me a picture with a feeling on Candace. And bring a friend for my friend. His name Kweli. You mean Talib, lyrics 6 to your rant by me. That's my favorite CD. I can't believe this nigga used my name for picking up dimes, but never mind, I need some tracks, you trying to pull tracks out. And my rhymes is finna blow, you trying to blow backs out. Boy, she got the bushy behavior, always got something to say like a okay player hater. Hit 'em high like noon or the moon, or room filled with smoke, a hype filled with dope. How could I ever let your words affect me? They say hip hop is dead, I'm here to resurrect me. Mars is too sexy to even make songs like these. That's why the raw don't know your name, like Alicia Keys. I did this my way, so when the industry crashed, I survived like Kanye. Spitting through wires and fires, MC's retiring. Got your hands up, get the motherfuckers hired. Now I ain't never tell you to put down your hands. Keep 'em high. Ok, Get 'em High, collaboration avec Talib Kweli. Et Common. Exactement. Tu sais, avant que je trouve, hein, qu'on trouve les sites où il y a les crédits, etc., j'avais toujours pensé que c'était Timbaland à la prod. Bah, tu sais que ça fait patte Timbaland. Bah oui, ouf, parce hein. Que moi j'ai toujours trouvé qu'il s'est beaucoup inspiré des drums de Timbaland. D'ailleurs, Timbaland lui fera les drums pour Stronger. Exact. Qui est pour moi le morceau c'est game changer de la carrière de Kanye. Un énième game changer du coup peut-être. En fait un game changer. Non, pour moi c'est le game changer de sa carrière, pas. D'un career changer. Voilà, alors. Voilà, career changer carrément. Moi, bah oui. À partir de là, Kanye n'appartient plus au rap. Il est sur une autre sphère. Voilà, c'est voilà. Et tu vois les prod bouncy très très rondes, etc. Ouais. Celle qu'on a sur Spaceship aussi. Yes. Et du coup, et ce morceau-là vraiment, j'entendais grave Timbaland et tout. Ouais. Et finalement c'est. C'est Kanye. Voilà, tout mais ça c'est inspiré de Timbaland. Ça prouve aussi sa versatilité. Bien sûr. C'est qu'il peut aussi faire des bangers. Clairement. Un peu club. Ça, ça aurait pu être pour Jay-Z hein, sur Blueprint 2. Ouais, hein. De ouf. Carrément pu être pour Jay-Z. Hein. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même des mecs qui rappent dessus, quoi. Et ça rappe vénère. De ouf. Genre Talib Kweli et Common, putain, ça désosse la prod. À un moment, t'as même une meuf qui débarque. Ouais. Putain, la voix, elle est hard. Elle rappe bien. Tu dis vas-y, ça peut continuer, ouais, let's go. Ouais, ça peut continuer, ouais. Ça me fume quand il dit ouais,
Tu croyais quoi que Dame et moi tu penses que si Dame et moi on s'entend autant c'est parce qu'on est trop, on est des trous du cul. Ouais. En gros on avance ta musique en fast forward parce que c'est on veut plus entendre ta merde. Ta merde ouais. Classique. En fait, j'aime trop comment il amène ses lines parce que déjà, il y a un souci du gimmick en fait. Il y a déjà un souci de rentrer d'être catchy même dans l'écriture. That week shit no more. Tu vois, c'est-à-dire que les gens en club, ils vont l'entendre, ils vont dire, hey, ils vont reprendre cette phase-là. Comme la phase qui va arriver sur Slow Jams, où il va parler la pote qui a une amie light skin qui ressemble à Michael Jackson et la dark skin qui ressemble à Michael Jackson. En fait, c'est ce truc de répétition-là, ça va vraiment porter le morceau. En fait, c'est le gimmick, ça va devenir vraiment un gimmick du track. Et déjà il y a ce souci là parce qu'en fait c'est pas le plus gros technicien, mais la manière dont il apporte ses phases, et ben ça va donner envie à l'auditeur de répéter ces phases là. Toutes les gens s'accordent à dire sur Kanye, Kanye n'est pas un très bon MC mais c'est un très bon rappeur. C'est ça, il sait très bien vendre de la musique. Exactement. En fait. C'est ça en fait le job de rappeur. C'est pas être un technicien. Bah oui, MC et rappeur c'est voilà. Deux choses différentes. Un MC et toujours un rappeur également, en vrai. Oui. Mais tu peux être un rappeur et pas un MC de ouf. Parce que MC, ça va être la technicité dans les flows, dans les changements de rythme, bref, dans tous les artifices possibles. Et aussi les paroles, genre les trucs compliqués, etc. Un rappeur, c'est juste quelqu'un qui doit te faire kiffer du rap, tu vois. En rappant. Et savoir dire les phases. Tu vois, il y a des mecs qui vont dire la même phase, mais il y en a un, il va te faire kiffer. Et l'autre, tu vas être là en mode ouais, c'est. Il y en a la même phase, ils vont en faire une punchline dans la manière dont ils vont la dire. Il y en a d'autres, tu vas juste dire ouais, c'est une line comme une autre. De par la tournure et la sélection des mots et l'intonation. L'intonation, l'interprétation. Et Kanye, c'est bon, c'est beaucoup l'interprétation hein, de toute façon. Et c'est pour ça aussi qu'on lui passe le fait qu'il chante faux. Oui. Il chante beaucoup faux, mais. Il chante très faux. Il interprète tellement bien que finalement ça te touche. Donc c'est voilà. C'est incarné. Et à partir du moment où ça te touche, bah, même si objectivement c'est pas dingue, tu t'en fous parce que tu kiffes. C'est de la musique, t'es là pour kiffer, tu vois. Ok, prochain morceau, Workout Plan. Et on enchaînera avec The New Workout Plan. Hey, what's up, girl? Hey, you know, I finally got my shit together. I'm watching that workout plan, girl. You just popped in Kanye West. Get right for the summer workout table. Le violon. If you follow these 1 and 2 and 3 and 4 and get them sit-ups right in. Tuck your tummy tight in. I don't know if you can get the one. Putain, l'autre il va le sampler, J. Cole. Workout plan. C'est quoi un workout plan? Bah, c'est le programme sportif. Tout à fait. Voilà, donc en fait, c'est Kanye qui se met en scène. D'ailleurs, il y a un clip qui est disponible et on peut voir Kanye West en coach, qui coach les meufs. Qu'elles deviennent bonnes, donc... Et après, t'as d'ailleurs les témoignages. Ouais,
Depuis que j'ai fait le Walk à plein de Kanye. J'ai réussi à avoir des dates en dehors de ma famille. Premier album, on a déjà cette relation très étroite avec les femmes. Ah oui. Et ça a perduré énormément. Yeezy Told Me, pour ceux qui savent, hein, sur My Beautiful. Mais on a déjà voilà, ce côté, je suis un mec à meuf, tu vois. Je suis un mec à meuf et je fais ce que je veux avec vos meufs. C'est ça. Et c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. C'est ça. C'est vraiment un esprit de possession, tu vois. Ah, ouais. Genre, elles m'appartiennent. Ou... C'est un peu maladif chez lui quand même. Ouais. Bah, c'est un peu ce qui lui est en train de se passer là, avec Kim. Ça lui joue des tours. Bon, musicalement, c'est vrai que ça a pris un peu de ride, la première partie. Oui. Bon, en gros, le morceau, jusqu'à la moitié, avant le switch, c'est vrai que les percus tapent un peu moins fort. Je pense que les sonorités sont un peu vieillies. Oui. Et comme tu me l'avais dit, et vraiment, je viens de faire le rapprochement, c'est vraiment ressemblant à un morceau d'Eminem. Donc, qu'il aurait pu sortir. Ah oui. Qu'il aurait pu sortir ça en single, tu vois. Oui. Tu sais, le délire un peu goofy. Et en fait, la prod ressemble énormément à Got Some Teeth, qui est présent sur Cheers, voilà, l'album de Obitrice. Pull it to the side and invite it to cheers. Pull up a chair, nigga swear, no drama. Prepare for a player who working with a monster. En featuring avec Eminem, Eminem par. Eminem produit. Oui, produit. Mais il a aussi voilà, il apparaît sur, dans le clip. Énorme single en vrai. Très très drôle. Mais du coup, c'est vrai que la prod, c'est vraiment. Eminem, Luis Resto à ce moment-là. Ouais, époque encore, ouais, etc. Ouais. Tout à fait. Et puis après, bon, on a tout ce concept avec les témoignages, donc qui rend vivant quand même le track. Mais depuis le début de l'album, de toute façon, les gens qui parlent, les gens qui témoignent, qui prêchent. Travail de voix. Oui, ça rend l'album très live, très vivant. T'as l'impression de vivre en fait l'album en plus de l'écouter. Pourtant, un son qui sort moins que les autres et il arrive quand même à te le rendre attractif. Et à la fin. Et à la fin, t'as un switch où tu vas avoir une talkbox qui va accompagner la prod qui est de clap en fait. Et en fait, c'est tout le génie de Kanye de te vendre un truc qui semble goofy de ouf pour au final partir sur un truc. Hyper sérieux, hyper musical et tout. Riche musicalement, mais. Tu sais, genre fédérateur en fait. Genre tout le monde s'y met, tu vois. C'est très très beau. Bon. Oh la vache. Prochain morceau, Slow Jams. Oh shit. Twista, Jamie Foxx. Shit. Ce morceau, il m'a ouvert la porte sur Kamikaze, l'album de Twista. Ouais. Et d'ailleurs, il est sur l'album. Exactement. C'est l'époque où les singles en featuring. Ils pouvaient se retrouver sur les albums de chacun. Ouais. Bah, c'est marketing, hein. Allez, let's go, hein. Oh la vache. Les singles. Yo. Premier disque d'or de Jimmy. I'm just saying, I was talking to the girls, you know, and we don't put enough emphasis on the ladies sometimes. You know, I was talking to those girls, she was talking about the. You know what she told me? Are you going to go? She said, she said she wants some more. Some friends you cool with, I'ma bring the cool with. Then I want you to stretch. She's got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play with my arm and some Luther and Jones. A little bit meaner, but definitely said this party all around. Let me get your
person in the keep sweat. I'm a Harlem girl, some Lululemon brand drugs, a little Anita, but definitely set this party up right. D'aujourd'hui, c'est comme celui. Non, 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 non. Non, c'est. Non, non. Tu vois, tu peux pas comparer ce que Kanye fait maintenant et même ce qu'il a fait sur la dernière décennie à ce qu'il a fait sur des trucs comme ça. Oh, c'est pas possible parce que ça, c'est All Time aussi. Deuxième morceau de l'album qui fait partie de mes morceaux préférés de l'histoire. Mais ce morceau, je veux dire, il m'a tellement touché musicalement que quand j'ai eu internet et que j'ai réécouté ce morceau, je suis parti chercher tout ce qu'il y a à savoir sur ce morceau. Oh. Je suis parti savoir c'est qui Luther Vandross. Je suis parti écouter du Luther Vandross, du Anita. Je suis parti écouter du Marvin. Tu vois, c'est des morceaux, ils te matrixent tellement, ouais, que tu vas chercher tous les crédits, tous les samples, et tu vas tout décortiquer. Et ça fait partie de ces morceaux-là parce que le morceau, il est, mais il est majestueux. C'est un chef-d'œuvre. Genre, tu peux l'écouter en boucle. Tu sais, tu peux le remettre 20 fois. Il y a pas de souci. Il a pas pris une ride. Il est tellement beau, il est tellement maîtrisé, c'est mec, c'est n'importe quoi. C'est tous les sentiments, la guitare, l'apport de Twista, les nuances des voix derrière Jamie Foxx. Mec, it's gonna be, c'est magistral, c'est oui, un chef-d'œuvre, on est où? Et c'est un single, tu vois, qui a fonctionné de ouf, premier disque d'or de Jamie Foxx. Oui. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter l'album Unpredictable de Jamie Foxx, qui est très bon et qui est un album solo R&B. Donc il y a vraiment des gros morceaux dessus. Et à l'époque, je me rappelle, il m'avait matrixé. Hein, parce que ouais, moi c'est pareil. Hein, c'est, la porte d'entrée, ça a été Slow Jam hein, pour Jamie, tu vois. Et Twista, énorme rappeur. D'ailleurs. Pour moi, il y aura la deuxième partie de ce morceau-là sur Kamikaze avec Overnight Celebrity. Overnight Celebrity. Et qui fait partie pour moi d'un trio, je vais un peu rich, mais pour moi, la troisième partie, c'est Wouldn't Get Far avec... sur l'album Game. De... Ouais, parce que... Et en plus, c'est encore le même thème, tu vois. Et je trouve que c'est des prods qui... Et Overnight Celebrity a la même violoniste qui travaille sur College Dropout. Donc... Voilà, il est fort parce qu'il donne des morceaux à d'autres, mais tout en gardant l'univers. Exactement, qu'il a composé. Il y a un petit fil rouge, bien sûr. Et c'est pour ça que Kanye, voilà, il va avoir cet univers en dehors de ses propres albums. Et que tu vas écouter d'autres albums. Ah, oh, mais attends, mais ça me fait penser à ça. Ouais, ah, mais c'est Kanye, c'est ça. Qui prod et tout. Parce qu'en sonorité, il est très fort. Et est-ce que tu peux considérer que ce morceau est un morceau R&B ou rap? Parce qu'en vrai, c'est très R&B. C'est du rap R&B, gros. Ouais, c'est du rap R&B. De toute façon, c'est classique. Du rap R&B. De toute façon, c'est classique. Cet album est classé dans différents genres. Hein. Ouais. En vrai... C'est plus du rap, quand même. C'est prédominance rap. C'est majeur rap, mais il y a aussi une bonne grosse partie d'autres genres. Et il les marie tellement bien. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait le succès de sa musique très rapidement et à des échelles d'auditeurs différents. C'est que ça, encore une fois, un slow jams peut te faire kiffer des gens qui ne sont pas passionnés de rap. C'était un hit. Hein. Et ces gens-là vont se manger Twista dans la gueule en même temps. Et ouais. C'est dingue, moi je kiffe ça. Je kiffe ce genre de piège un peu, tu vois. Ouais. Où t'attires le mec il écoute, c'est ouais, non, je kiffe pas trop de rap et tout, mais écoute, ah, Jamie Foxx et toi, ouais, nanana, bah, boum, Twista qui débarque et tout. Oula. Et du coup, ça peut faire une transition, tu peux faire kiffer le rap, ça peut être le début de la passion du rap pour un mec avec des morceaux comme Slow Jam. Slow Jam, c'est clairement un single porte d'entrée au rap, hein, à l'époque, hein, évidemment. Même si pour moi, il a pas pris une seule putain de ride ce morceau. Après, c'est le soulful. Ça, c'est intemporel. Voilà. Que ce soit. N'importe quel producteur qui a fait du soulful, tu réécoutes ses prods, c'est intemporel le soulful. Mais quand c'est produit par Kanye, c'est encore meilleur. Oui, parce que c'est un des meilleurs dedans. Évidemment. En fait, il va travailler le sample de sorte à te le rafraîchir. C'est ça qui est fort.
Et t'as une pointe de nostalgie sur le morceau, mais c'est fantastique. En fait, c'est vraiment teenage. Je sais pas, genre, je vois, tu sais, le bal de promo. Oui, c'est une soirée de façon, le morceau. Hein. Ça fait penser à une soirée. Prochain morceau, Breathe In, Breathe Out. Le morceau avec Ludacris. Yes. Jamais vraiment kiffé ce morceau, moi. Un filler pour moi. Je dirais plus un son de Ludacris, en fait. Tu sais, dans la prod, ça fait très Ludacris, Red Light District et tout, genre. Kanye, il est pas fou dessus, en fait. But now I'm rapping about money, hoes, and rims again. And it's still about the Benjamins. Big face, hunnids, and whatever other synonyms. Yeah, breathe in, breathe out. If you're iced up, pull your sleeves out. Cause a big truck, pull your keys out. Who's had a PhD, a pretty huge dick. Ladies out and getting ripped off by guys like this. And give a head, it's like a whale, that's using a toothpick. Can you drop me in the hunnids with my ultimate words? Let me try. She telling me about problems with a man, baby. I fully understand. Non, c'est que le refrain. Breathe in, breathe out. Let the whole fight pull the weed out. If a nigga act up, pull a desert ease out. When I pull a piece out, niggas like peace out. Bon, voilà. Breathe in, breathe out, la collab avec Ludacris. Bon bah c'est vrai que c'est pas un morceau moi que je laisse quand je joue l'album, donc je le skip. C'est pas forcément le track où je trouve Kanye pertinent. J'ai plus l'impression en fait que c'est une prod qui irait mieux au style de Ludacris, comique, tu vois, goofy, playful. Et en fait, je trouve que Kanye, il a pas encore ce truc-là de pouvoir jumper sur ce genre de prod nuancé avec une teinte d'humour et tout. Il a pas ce truc-là encore, tu vois. Il va l'avoir sur plusieurs années. Mais là, je trouve que il prend trop la prod au sérieux et c'est pas ce qu'il faut. Voilà. Après, bon, on a Ludacris au refrain. Alors, je crois que du coup, Ludacris avait un verse, mais Kanye l'a retiré parce qu'il voulait pas se faire manger sur son propre son. Okay. Bon, après, c'est lui qui décide, ouais, c'est son album, tu vois. En vrai, il a raison. Mais du coup, t'en parlais. C'est vrai que Kanye, il faisait pas mal de prod du coup pour des artistes hors Rockefeller. Et par exemple, il avait prod pour Ludacris. Stand up. Qui fait très Timbaland aussi. Bah oui. Je pensais, moi, à un moment donné, que c'était Timbo qui avait fait la prod, tu vois. Et non, c'est Kanye. Donc voilà. C'était pour la petite histoire. Mais ouais, clairement, pour moi, un des morceaux qui a le plus vieilli de l'album. Hein. Prochain morceau, School Skit 1. Et ensuite, on enchaînera avec School Spirit. School Spirit Skit 1. Now beat that. And your mother's saying, go to college, so you finish college, and it's wonderful. You'll spend all your money on crack cocaine, but it'll be your money. No more borrowing from mom for my high, okay? I was a hall monitor. This was meant to be. You know how many classes I took? Extra classes? No, I've never had sex, but you know what? School spirit up for the moon. Step, Omega step, Kappa step, Sigma step, gangsters walk. I'ma get on this TV, mama. I'ma put this down. I'ma make sure these light skins again never, ever, never come back in style. I went to Cheesecake, he was off the lumber. Can wait it there. Alpha step, Omega step, Kappa step, Sigma step. Got a Jones like Nora for your Sora. Bring Mora, them girls I seen in the Aurora. Tammy, Becky, and Laura. AKA Step, Delta step, SGO step, Zeta step, gangsters walk. Pimps gon' talk. Well, but, School Spirit. Moi, deuxième morceau d'affilée, j'avoue que je me suis jamais réellement pris. Le truc que je trouve lourd, par contre, c'est le travail sur les voix de Kanye.
Il met des filtres, il utilise des tonalités différentes et tout, donc ça c'est intéressant. Mais le morceau, je le trouve trop redondant. Ouais. Je le trouve vraiment trop redondant. Et Kanye même, je le trouve au micro chiant sur ce morceau-là. Bah, il y a les limites en fait. Ah ouais. On atteint les limites. Mm. Bon. Ok, ça enchaîne sur School Spirit Skit 2 et Lil Jimmy Skit. Il y a beaucoup de skits hein, sur l'album. Ouais, hein, donc, bah, c'est ce qui le rend aussi très live. Ouais. Let's go. You keep it going, man. You keep those books rolling. You pick up all those books that you're gonna read and not know why. Cause when I die, buddy, you know what's gonna keep me warm? That's right, those degrees. Hey, for school. And I was actually in school all while my dad was in school. He was so greedy when I'm gonna learn too. I'm gonna get super smart. So I too can die without money, but I'll be the smartest dead guy. Avec Freeway et Mos Def. Ouais, elle est ouf. La prod trop chaude. We in the streets playing, get your mail. It's only two places you end up, either dead or in jail. United States, no love, no break, so scan those everybody move. Two words, most deaf, K-West, hot shit. Calm down, get back, ghetto people got this. Game porn, lock shit, gun porn, cock shit. Get back, ghetto people got this. Game porn, lock, gun porn, cock shit. We won't stop, everybody move. And throw your hands up, hustlers, mustards, roosters, oh. Everybody fuck that. Keep your hands up, hustlers, mustards, roosters, oh. Everybody fuck that. Hey yo, two words, Chi-town, Southside, worldwide. Cause I rep that till I fucking die. One neck, two chains, one west, two guests. One wall, 20 plaques, dudes fake. Give me that. Most imitated, Grammy nominated. Hotel accommodated, cheerleader promenaded. Barber shop player hated, I live by two words. Fuck you, baby. Screaming, Jesus, save me. You know how the game be, I can't let him change me. I'm from the bottom, so the top's the only place to go now. Two letters, A-R, turn your rap niggas to two words, fast runners, like throwing beef through your car, my God. Two words, no guns, break arms, break necks, break backs, demons are gone free. Demons are gone free. Il y a The Boys Choir of Harlem. Donc il ramène déjà des chœurs à l'époque, ouais. Il était déjà dans ce bail là. Dans les chœurs. Morceau street. Morceau street mais orchestral. Oui, toujours. Toujours cet aspect pour donner le côté épique au morceau. Très rocafé là le morceau en vrai. Quand on entend Freeway dessus. Ouais, ouais. Non, c'est... Mais ouais, c'est. C'est agressif. Très agressif. Même Kanye du coup. Lui-même plus agressif au micro, sans il est obligé parce que derrière t'as des mecs avec des voix, découpe. Avec des signatures vocales tellement agressives parce que Freeway déjà sa voix de base elle est agressive. Ouf. Tu vois, il a même pas besoin. Eh putain, ça rappe tellement bien, tellement fort. Putain, je sais pas, un côté dramatique, urgent au morceau avec la voix de la meuf derrière, t'as l'impression qu'elle souffre, tu vois. Et super bien retranscrit, donc très bon morceau celui-là aussi. Ouais, ouais. Parfait. Prochain morceau. Oh la vache. To the wire. Ah la vache, premier single de l'album. Ouf. Yo G, it can't stop me from rapping, can it? Can it hop? Jump on my heart right now. I gladly risk it all right now. Shout out, what's going on? Uh-huh, yeah, I think you can
console my mom, or give her light support, telling her son's on my support. And just imagine how my girl feel on the plane, scared as hell that I gotta look like Emmett Till. The doctor said I had blood clots, but I ain't too making man story on the TV, and I ain't trying to make a band. I swear this right here, history in the making, man. I really apologize to everyone right now. It's unclear now, man. This is what I got to say right here, though. Yeah. Turn me up, yeah. What if somebody from the shadow was ill? Got a deal on the hottest rap label around. If you could feel how my face felt, you would know how Mace felt. Thank God I ain't too cool for the safe belt. I swear to God, I look like Tom Cruise on Vanilla Sky. It was televised, accident like Geico. They thought I was burned up like Jesse did Michael. Where I used to spend that Christmas cash, and I still won't grow up. I'm a grown ass kid. You know what I'm saying? When a doctor told me I had I was gonna have a plate in my chain. Bon, morceau légendaire aussi de la carrière de Kanye. Pour moi, c'est un des meilleurs drops de morceaux que je... Ah ouais? Ah ouais, le drop, il est exceptionnel. En fait, le drop, toutes les émotions sont retranscrites. Il a failli mourir. Le fait de vouloir continuer à rapper malgré cet accident. Je sais pas. Et puis même, tu vois, ce qu'il dit pendant qu'il y a le drop, ils peuvent pas m'arrêter, ils peuvent pas m'empêcher de rapper et tout. Wow. Trop, ouais, ça prend au trip. De ouf. Puis il rappe avec du coup la mâchoire encore déboîtée totalement. Donc ça rend l'album encore plus authentique en fait. Tu vois, ça rend l'album. En fait, tu vois, ce type de morceau fait de manière tellement spontanée, en fait, c'est la marque de. En fait, ça te marque un album dans une époque, dans une vie. Tu vois. Oui. Genre, c'est. En fait. Il a mis en musique les répercussions de son accident et tout. Et c'est dingue, en fait, tu vois. C'est dingue de pouvoir se dire, Kanye, pendant un moment, il avait du mal à parler. Et tu vas pas montrer une interview à quelqu'un pour qu'il voit ça. Tu vas lui faire écouter un morceau de l'album, tu vois. Non, c'est dingue d'avoir s'être dit, vas-y, je vais faire un morceau comme ça, tu vois. En fait, ce qui est fou, c'est que l'accident, il arrive quand il est... Donc, l'album de Jay-Z sort, là, Blueprint 2. Et Dame Dash, il lui fait confiance et il arrive cet accident. Et tu vois, et dans le documentaire, il dit, mais c'est pas possible, tu vois. Est-ce que je vais pouvoir rapper, en fait? Alors, déjà, il me faisait pas confiance. Si en plus j'ai un accident, mais c'est mort, en fait. Enfin, c'est tué dans l'œuf, tu vois. Et le son, il va l'enregistrer 2 semaines après l'accident. Donc... on sent les séquelles, l'addiction est très mauvaise. Mais ça le rend le classique. C'est incroyable. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va miser tellement sur le son qu'il va en faire un clip. Le clip, il va le financer par ses propres moyens. Donc, il n'y a aucun soutien du label, tu vois. C'est le premier single de l'album. C'est le premier single de l'album. Il va, de sa poche, mettre 30 000 euros sur le clip. Et en fait, il va appeler à la release party du clip, il va appeler Damon Dash, il va dire ouais, voilà, tu vas regarder le clip, tu vas voir, et après tu vas vouloir me donner une date pour mon album. Et c'est ce qui va se passer parce que le clip va faire tellement de vues, enfin à l'époque, du coup, il va tourner de ouf sur MTV et tout. Et Damon Dash, ça va être son départ, il va dire ok. C'est le déclic en fait. Ouais. Là, c'est bon, en fait, vas-y, tu peux avoir une date pour Collège en Pop. Parce que c'est un album qui a été repoussé et encore repoussé à chaque fois, plusieurs fois, Collège en Pop. Hein. Parce qu'à l'époque, il fallait que tu sois. Que tu aies un buzz, en fait, si tu voulais espérer avoir une date pour la sortie d'album. Tu vois, il y a tellement peu de choses qui sortaient que les rares fois où tu sortais un truc, il fallait que ce soit backé commercialement par un succès. Oui, parce que le mec n'allait pas investir s'il n'était pas sûr d'avoir... Surtout pour un premier album. C'est très compliqué de sortir un premier album à cette époque-là. Et du coup, c'est un sample de Chaka Khan, Through the Fire. Et elle a dit qu'elle aimait pas du tout le son que Kanye en avait fait.
qu'elle avait trouvé que le vocal ça lui est pas du tout, tu sais, très étiré comme ça. Elle dit ouais, on a l'impression que j'ai une voix de chipmunk et tout. Et bon, après, avec le succès au final, elle l'a accepté. Ouais, comme d'hab. Bah ouais. D'ailleurs, tu parles de chipmunk, c'est un genre qui va être introduit par cet album. Beaucoup de gens parleront de la chipmunk musique. Ouais. Après, ouais, avec ses pitchings de voix de ouf. Allez, prochain morceau et avant-dernier, Family Business. Incroyable. De ouf. Putain, le piano. Oh là là. Ça, c'est trop ouf. Hein. How you son? You made the team this year? This is family business. And this is for the family that can't be with us. And this is for my cousin locked down on the answers. And this is why I spit it in my song. So sweet like a photo where your granny's pitching that at your gone. And hit a stay face and have a reason to cover my face. I even made you a plate. So fool, know how granny do it. Monkey bread on the side, know how the family do it. Now me, you ain't did it, then you ain't did it. And if you did, then that's family business. Everybody standing with us. Come on, let's take a family Grammy picture. I can't deny it, I'm a straight rider. But when we get together, the electric sliding grandma. Get them shook up. Oh no, don't open the photo book up. I guess act like you ain't took a bath with your cousin. Fit three in the bed. If it's six of y'all, I'm talking about three by way, way, go away. Let the sun come up and all the children. Ouais, c'est trop. Bon, ouais, classique, franchement, on va pas le faire du verset, c'est extraordinaire, un morceau extraordinaire. Il y a tout, le refrain épique avec les chœurs, l'interprétation phénoménale de Kanye West avec une interpolation, Ambition as a Rider de Tupac, un moment qui fait tellement kiffer. Il y en a une aussi de Ghostface à la No Issue là, avec Mary J. Blige. Ah ouais. D'ailleurs, il est censé produire le nouvel album de Ghostface. Wazank. C'est une autre paire de manches là. Hein. Ouais, mais c'est quelque chose dont tout le monde rêvait à l'époque. Ouais. Parce que Ghostface, beaucoup sur le soulful. Oui, oui. Et tout le monde a toujours voulu que Kanye prod pour lui. On verra, bref. Il y a Pusha T qui va arriver aussi. Diet Coke, très chaud. Hein. Ah, oh là 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 là. Ah. Ah oui, ah oui, là on parle. Ah oui, on parle. Bah oui, pas. Corey ouais, là. Doucement. Bon, ouais, voilà, morceau exceptionnel. Le piano, tellement mélancolique, mais avec plein d'espoir. Je sais pas, genre, il y a trop d'identité dans ces instruments, en fait, sur l'album, tu vois. Que ce soit le violon, les pianos, les voix. Tout a une identité, c'est magique. Rien n'est formaté. Tout sort d'une création, tu vois. Et puis vas-y, la manière dont il délivre son flow. Moi, franchement, je sais, c'est pas un de mes rappeurs préférés, de MC préférés. Mais franchement, il est efficace de ouf, tu vois. Efficace de ouf, la manière dont il kick et tout. Il envoie pas une technique exceptionnelle, mais c'est déjà trop en fait. C'est tellement facile d'écoute en plus. Vraiment, tu prends le truc, ça glisse tout seul. Après, souvent, c'est un peu le propre des producteurs rappeurs aussi. Parce que c'est lui qui fait l'instru, il l'a en tête depuis le début, donc il sait. Il a déjà les mélodies. Voilà, tu vois. Il sait comment il va débarquer sur la prod. C'est un avantage de dingue, tu vois. Bah ouais, mais en vrai, il y avait d'autres rappeurs producteurs, tu vois.
Mais je sais pas, ils ont pas la spontanéité d'un Kanye, en fait. Ils ont pas l'architecture dans... Parce que je mets pas Dre dedans, parce que Dre, il écrit pas, tu vois. Dre, on lui écrit les morceaux. Maintenant, il écrit de nouveau. Il dit aussi, là, tu vois... Ouais, si, 99% de sa carrière, elle a pas écrit, tu vois. Ouais. Donc, c'est toujours guidé. Kanye, c'est sa propre ligne directrice de A à Z. Ouais, mais tu vois, un producteur rappeur ultra chaud, moi, il y a Daz. Hein. Ouais, mais... Après, c'est plus MCing, du coup, ouais, que rappeur. Ouais, parce que Daz va trouver un album qui est exceptionnel. Bah, Dog Food. Non, c'est DPG. Oui, mais c'est lui qui prod tout, quand même. Ouais, mais c'est pas un album solo. Ah, oui, non mais ce que je veux dire, c'est juste dans le fait d'être chaud sur ses propres prods. Ouais. Daz, c'est un mec très très chaud sur ses propres prods. Après, il est plus MC que Kanye n'est rappeur, tu vois, par exemple. Ouais. Mais Kanye, de toute façon, après, il a toujours eu... De toute façon, après, Kanye, c'est beaucoup plus ouvert musique. Il avait déjà, de base... Tu sens que... Il a eu d'autres influences. De faire... ouais, et puis... Bon, l'album, c'est du rap et tout, mais... Tu vois, les morceaux sont très populaires, en vrai. Tu sais, c'est un peu pop, tu vois. C'est facile d'écoute. Tu vois, t'es là en mode, ouais, c'est rap, mais c'est pas hard. Tu peux faire kiffer ça un peu à n'importe qui et tout, tu vois. Mais ouais. Après, ça vient du fait de ses prods aussi. Ouais. Tu vois, je pense. C'est une vision globale, en fait, de ses prods et de ses... Et qui influence nécessairement ses performances. Ou bien est-ce que c'est pas ses performances que lui pensait savoir faire qui a influencé derrière ses prods? Non. Parce que lui, il s'est toujours défini comme un rappeur. C'est pas un producteur qui est devenu un rappeur. Hein. Il a toujours clamé que c'était un rappeur. Donc après, savoir, c'est comme l'œuf ou la poule. Est-ce que... Il se voyait, tu vois, qu'est-ce qui arrive une seconde avant l'autre, tu vois, et qui influence nécessairement Guess We Never Know. Dernier morceau ? Ouais, Last Call. Last Call. Long morceau. Yo, fuck you, Kanye, first and foremost, for making me do this shit. I said toast, motherfucker. La 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 la. And they ask me, they ask me, they ask me, I tell them. Raise your glasses, your glasses, your glasses too. All around the world, digital underground pop. The Rudolph, the red nose reindeer of the rock. I take my chain, my 15 seconds of fame, and come back next year with the whole fucking game. They say he bougie, he big kitty. Would you please stop talking about how my dickhead is? Flow infectious, give me 10 seconds. I have a buzz bigger than insects in Texas. Raise your glasses, your glasses, your glasses to the sky. This is the last call for alcohol for the... Kanye the most overlooked, yes sir. Now it's Kanye the most overbooked, yes sir. Do the fans want the feeling of a tribe called Quest? But all they got left is this guy called West. Boys girl he had with him, ass coulda won the horse awards. And I was almost famous, now everybody love Kanye, I'm almost reigning. Now I can let these dream killers kill my self-esteem. I use my arrogance as a steam to power my dreams. I use it as my gas, so they say that I'm gas. You can't say shit to Kanye West no more. I rock 20,000 people, I was just on tour, nigga. I'm kinda Louis Vuitton dog. Brought my mom a purse, now she Louis Vuitton mom. I ain't think he's trying to get into managing producers, cause he had this other kid named Just Blaze he was messing with. And he was friends with my mentor, No ID. And No ID told him, look man, if you wanna mess with Kanye, you gotta tell him that you like the way he rap. But shit just went popping off like that. I was staying in Chicago, I had my own apartment, I'll be doing like just beats for local acts, just to try to keep the lights on and be able to go out and buy. I made this one beat where I spit up this Harold Melvin sample. I played it for Hip over the phone. He's like, oh, yo, that shit is crazy. So I went and I was listening to Dre Chronic 2001 at that time. And really, I just like bit the drums off Explosive and put it like with a sped up sample. And that's kind of like my whole style. It's incroyable. C'est 2000, that day I came and I tracked the beat and I got to meet Jay-Z and he said, oh, you a real soulful dude.
He already spit his verse by the time I got to the studio. And I heard it and I was thinking like, man, Jay came in and he spit all these songs like in one day and in 2 days. I gotta bring up one thing, you know, to go back in the story. The day I did the Can't Be Life beat, I tracked it. I remember Lenny S is there, he had some Louis Vuitton sneakers on. You know, the West, the rap was like real whack and shit, so that's all the response. He said, man, that was tight. And that was it, you know, I ain't get no deal. Okay, fast forward. So, H to the Izzo, my first hit single. And I just took that poly. And I had relationships with all these A&Rs, so they want a beat from me. So they call me over, they play them some beats. Give me a beat that sound like Jay-Z, you know, they dick riders, whatever. So I play them these. Everybody out there, listen here, I played them Jesus Walks and they didn't sign me. You know what happened? It was some A&Rs that fuck with me though, but then like the heads, there'll be somebody at the company that I say, nah. I called G, I said, man, you think we can still get that deal with Rockefeller? Et voilà. Last Call, donc, excellent morceau, très beau morceau, avec une grosse partie de narration où Kanye, bah, finalement, nous raconte son histoire jusqu'à la signature pour Rockefeller. Un morceau un peu à l'honneur de Rockefeller, en vrai, tu sens qu'il n'est pas en mode vous m'avez signé, mais bon, vous m'en avez fait voir des vertes et des pas mûres. Ouais. En vrai, c'était. Il n'a pas de rancœur. Tout nouveau rappeur devait passer par là. De toute façon, tu l'entends dans tous les premiers albums des mecs, t'entends personne voulait me signer. Parce que, oui, te donner la première chance à quelqu'un, c'est. Ouais, quand tu mets de l'oseille. Parce que nous, on est là. Ouais, putain, personne voulait le signer et tout. Ouais, mais nous, on est là, genre 20 ans plus tard. Et c'est pas nous qui allions mettre l'argent non plus, tu vois. Mais quand c'est toi qui dois mettre la thune, là, c'est autre chose. C'est autre chose pour un mec qui n'a rien prouvé et qui lui-même te dit, ouais, je sais, mon rap est encore whack en plus, tu vois. Et d'ailleurs, des barres, tu vois, quand Dame il se dit, bon, au pire, on mettra Cam sur tous les morceaux. Si jamais il n'y arrive pas. Mais malgré tout, je trouve que même si effectivement, Rockefeller ne passait pas tout de suite le pas, tu sens que ils commençaient à l'intégrer un peu à leur famille. Tout à fait. Ils lui payaient quand même des instrus, ils l'ont placé sur Blueprint, pas qu'une fois, pas que deux. Donc en soi, ils ont quand même réussi à lui faire son catalogue en tant, limite en tant que consultant, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un électron libre en fait. C'est ça. Après, voilà, c'était un risque, ils ont mis du temps finalement. Bah, il devait chez Capitol. Ouais, il devait signer chez Capitol. Capitol se retire. Voilà, alors qu'il a tout préparé pour faire les sessions studio, le marketing. D'ailleurs, il dit lui-même, j'avais déjà pensé aux idées de marketing et tout. Donc, comme tu le disais au début, il pense pas que sa musique, il pense aussi à la manière de la vendre, etc. Il veut vraiment avoir visionnaire. Voilà, le contrôle. Mais puis après, voilà, Def Jam, Rockefeller, pardon, a dit ok. Et tant mieux, en vrai, c'était. Et beaucoup plus naturel que ça se fasse avec Rockefeller. Et bon, c'est sûr, et surtout que ça a apporté une différence chez Rockefeller qui l'a permis de se démarquer des autres en fait. Totalement. D'être vraiment sur cette line fashion, street, mais en même temps lambda, tu vois, rappeur pas street, enfin pas violent quoi. Et ouais, bah, du coup, il s'est démarqué grâce à ça. Dans le documentaire. Il est aussi beaucoup en connexion avec Ruckus Records, donc c'est Talib Kweli, Mos Def. D'ailleurs, il dit de toute façon Talib Kweli m'a ramené faire ses premières parties et tout. Tu sais que Talib Kweli, quand College Dropout sort, il dit que c'est Illmatic. C'est le Illmatic de Chicago. Bah. Il croit en lui, let's go. Il croit en lui, et puis c'est. Et puis en vrai, c'est un chamboulement quand College Dropout sort. Oui, dans le sens, ça va être l'album. Premier de la album. Ville. Oui, comme l'album New de la York. Ville. Oui, voilà, je suis d'accord. Oui, dans ce sens-là. C'est emblématique. Évidemment. Après, bon, dire que tout de suite, c'est le Illmatic de Chicago. Non, mais après, je pense qu'il parlait pas en termes qualitatifs et tout, mais juste par rapport à la portée que ça va avoir pour la scène de Chicago. Tu vois. Ouais, et puis cette intronisation de Kanye, donc c'est pendant la Dynasty Tour. Ils arrivent à Chicago et Jay-Z du coup annonce, enfin fait venir Kanye sur scène. Et c'est Dame Dash qui lui donne sa chaîne, c'est pas Jay-Z.
Jay-Z devait donner sa chaîne et Jay-Z a dit non. C'est Dame Jazz, tu vas le faire. C'est énorme, tu vois Kanye qui prend le micro, yeah, I'm the new Rockefeller signature et tout. Là, mais tu vois qu'il est fier quand même d'être sur Rockefeller, il est trop content et tout, tu vois. Mais en fait, il est content que quelqu'un lui donne vraiment ce qu'il veut, en fait. Qu'un label lui donne les armes. Mais je pense que c'est encore mieux que ça soit Rockefeller parce qu'il le dit. Genre, je les voyais dans les clips et tout. Ouais, genre, ça me faisait rêver. Une affiliation. Ouais, ouais. Parce que Jay-Z, pour lui, c'est son goût aussi, tu vois. Et du coup, il parle, c'est bien, à la fin de ce morceau-là, enfin, la fin non, mais enfin, à la fin de cet album, il donne beaucoup ses props, tu vois. Ouais. Il parle de No ID, qui est son mentor. Son mentor, ouais. Avec qui il a commencé à produire. Voilà. Il parle de Dr. Dre. Bah, oui. Incroyable cette histoire-là. Il dit putain, les drums sonnaient mal. Du allez coup, hop, prends les drums explosifs. Mais c'est beau! Pour le premier morceau qui place pour Jay-Z sur Dynasty Rock La Familia, This Can't Be Life avec Benny Siegel, il me semble. Ouais. Et ce qui est stylé, tu vois, c'est qu'on est dans le thème, voilà, école et tout. Et en fait, tu te rends compte que Kanye, c'est un étudiant, en fait. Ah oui. C'est un étudiant du rap. Tu vois, il a ses références. Avec il a de la ses musique mentors. Tout court. Ouais. Il peut sortir autant de samples, gros. Oui. Voilà, non, mais ouais. C'est un bousier de musique. Ouais. Mais il connaît son shit, tu vois. Et voilà, on est dans le thème école. Après, c'est sûr que voilà, le collège dropout, c'est l'abandon de l'école. Mais c'est aussi, du coup... Pour une autre école. Une autre école, la cour des grands. Et voilà, donc... c'est une métaphore aussi, je trouve. Tu vois, genre, tu dois avoir un diplôme pour accéder à certains postes. Et ben en fait, non, rien qu'avec tes rêves, tu peux aller au-delà. En fonction de ce que tu veux faire. En fonction de ce que tu veux faire. Si tu as la détermination pour, pas besoin de diplôme. Tu peux, tu vois. Si tu veux être artiste, oui, c'est sûr que... Il l'a prouvé, tu vois. Et quand bien même il était positionné, il avait des plugs, il avait des contacts, c'était un beatmaker. Il disait qu'il voulait passer à l'étape supérieure. Ouais. L'industrie voulait un nouveau Jay-Z. Il voulait pas un Kanye. Quelque chose de différent, non. On veut un Jay-Z, on veut un... Ouais. Un mec qui raconte la rue, c'est ce qu'il vend là. Ouais. Donc voilà, chamboulement total dans l'industrie, quand Kanye arrive. Et puis après, ce qui va se passer derrière, c'est encore plus grandiose, parce que là, c'est la première pierre de sa légende, en fait. Mm. Late Registration, Graduation, 808, My Beautiful. Ouais, c'est extraordinaire. On parle d'une des plus grandes discographies de l'histoire. Bien sûr. Et avec des renouvellements. Et surtout, en dehors de incessant. La discographie, tout ce qui se greffe autour, toutes les crottes qu'il donne à côté, etc. Tu vois. Moi, je sais que, genre, tu vois, par exemple, la discographie de Game est marquée par Kanye. T'as toujours ce morceau produit par Kanye. Et c'est à chaque fois exceptionnel. Dreams. Wouldn't get far. I done been around the world, been around the block, been around hoes to fuck Biggie and Pac. Angel. Sur Documentary 2, il y en a une aussi, je crois. Moula. Back like I never left. Nigga, I'm on my second breath. And I got another track from Yeez. Ouais. Franchement non, à chaque fois. Et aussi sur comment ça s'appelle? Jesus Peace. Sur Jesus Peace avec Common Encore. Tell him pray for me. It was God that brought Drake to me. Even bought the nigga Kanye for me. Oh. Non. Ah oui. Last Call. Alors t'en avais parlé. C'est produit par Evidence. J'ai une petite anecdote par rapport à ce morceau. Evidence a produit ce morceau et voulait le donner à Kanye après leur collaboration sur un morceau qu'ils ont fait avec Dilated People qui s'appelle This Way, où on entend Kanye rapper dessus. Et en fait, Evidence va le donner pour que Kanye le donne à Jay-Z. Okay. Kanye fait écouter à Jay-Z, Jay-Z n'en veut pas. Du coup, Kanye le récupère et rejoue en fait le morceau. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait un sample qu'il n'avait pas clearé
Evidence et du coup Kanye l'a rejoué. Ok. Et voilà. C'est formidable. J'adore ces histoires-là, tu vois, de la création. De création et puis. Ben voilà, tu vois, ça vient quand même d'une collaboration qui était extraordinaire. This Way, c'est vraiment un morceau qu'il faut écouter. Et qui fait partie de l'époque College Dropout de 2004. Tu te rappelles un peu, toi, la première fois que t'as écouté l'album? Non, t'as plus de souvenirs? Non, franchement, j'ai plus de souvenirs du jour où je l'ai écouté, où je l'ai eu, je l'ai téléchargé, je l'ai écouté du début à la fin. Non. Ça a été. Ouais, c'est trop loin. En fait, c'est arrivé trop de temps après le fait que j'écoutais les singles en boucle, tu vois. D'accord. Parce que c'est quand j'ai eu internet, donc un petit. Ouais, peut-être un an ou deux ans après la sortie. Et je sais qu'au début, t'as internet, mec, tu télécharges 150 albums d'un coup parce que là, le monde du rap s'ouvre à toi. Là, tu télécharges tout. Tu télécharges tout et ouais. Ouais. Début, ouais, c'était pas. Après, c'est une musique aussi que. En dehors des singles qui te marquent dès le début, c'était pas le style de rap que moi j'affectionnais particulièrement. Donc, c'est une musique que t'apprends aussi à aimer au fur et à mesure, tu vois. Kanye, comme t'as dit, c'est pas non plus un de mes rappeurs préférés. Donc, c'est pas quelque chose. Je me bousillais pas là-dessus. Ouais. Donc, tu vois, c'est difficile pour moi d'avoir des souvenirs en dehors des singles parce que ça, c'était très marquant parce qu'il s'agit d'un ou deux morceaux. Passer en boucle, mais après t'apprends à revenir dessus, à commencer à te dire ah ouais putain, ok, quelques mois passent, quelques années, repartir encore dessus, wow, ah ouais en fait et tout tu vois. Mais ça c'est très important d'avoir des singles extrêmement porteurs pour arriver à ça tu vois. Et ça a été la force de l'album. Ah bah oui, évidemment, parce que même si tu te prends pas l'album au début ou même si tu penses pas aller écouter l'album, du fait que t'as des singles qui sont joués en boucle parce qu'ils sont extraordinaires et que t'adores écouter, t'adores truc, bah t'écoutes l'album, tu vois. Un top 3 de l'album Never Let Me Down, Slow Jams et en vrai Family Business. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais, moi, Never Let Me Down, Family Business, Slow Jams. C'est les mêmes, putain. Oh, Two Worlds, c'est très très chaud. Ouais, ouais, mais après. Et Spaceship aussi, c'est chaud. Moi, c'est un top 5. Okay. Ouais, je triche. Bon, ouais, voilà. De toute façon, premier album, classique direct. Classique direct, hein. Ouais. Très fort, en vrai, hein. Très très fort de faire ça dès le premier album. Après tu sens que c'était vraiment in the making depuis très longtemps. Mais ce qui est fort, c'est quand t'entends la suite, l'évolution, tu sais, ouais. C'est possible. Le mec est allé dans un truc orchestral après, mais genre... Avec la situation, ouais. Au summum du truc, tout en étant encore efficace. Single avec Loupé Fiasco. Mais ça tu vois, c'est une version évoluée de College Dropout. Oui. Ce morceau, je l'ai toujours pensé sur College Dropout. Mais au final, il est sur l'effet de Station, mais la couleur, ouais, fait, ouais, ouais. Ça me fait trop College Dropout en fait, tu vois. Bah écoutez, dites-nous ce que vous pensez voilà, de ce classique de Kanye West, premier album, The College Dropout. Vos expériences, vos premières écoutes, est-ce que vous vous en souvenez pour ceux qui vont peut-être découvrir, voilà, dites-nous ce que vous en pensez, si vous kiffez ou non. N'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires et de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont Aminugo1 sur Twitter, Aminugo sur Insta. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous. Peace. Peace.